Je vais vous la présenter. Nassima, peut-être que vous la connaissez. Bonjour Nassima. Bonjour. Bien sûr qu'on la connaît, on l'applaudit Bonjour. Déjà. Bonjour. Ah oui, Nassima. Bonjour. Merci, mettez-vous là. Alors, Nassima, c'est celle qui a le rire le plus communicatif de France. Alors, pour ceux qui ne la reconnaîtraient pas, on l'a découverte en 2007 sur une émission de Fogiel, Marc-Olivier Fogiel. Elle a été prise d'un fou rire. Écoutez-le, c'était ce rire-là. Un rire mais communicatif, un rire incroyable. Petite bête d'Arnée à côté. Moi, je me suis reconnue. Je vous le dis. Là, c'est le vrai. Là, c'est le vrai. Nassima, moi, je vous le dis maintenant, je me suis reconnue en vous. Hein, parce que moi, ça fait des années qu'on se moque de mon rire. Et en même temps, je sais qu'il fait du bien, mon rire, et le vôtre aussi. Voilà. C'est trop sympa. Nassima, vous êtes invitée à vie à mon spectacle. Je sais pas si. Mais non, vous faites quoi dans la vie? Quel est votre boulot? Je travaille dans une banque. Et quand vous êtes prise d'un fou rire, comment ça se passe dans l'open space? C'est. Elle leur dit, vous êtes à découvert. Non, non, mais là, non, mais vous êtes ventriloque, il y a quelqu'un. Non. Il y a un bruit d'outre-tombe, le C'est hyper contagieux, on l'adore ce fou rire. On l'adore. Non, c'est elle est géniale. Le rire, c'est de l'air qui passe dans les cordes vocales. Ouais. Oui, mais donc, votre air, il passe. Vous avez un string dans les cordes vocales. Non, mais là, il faut faire la révision des 40 000. Ça correspond pas du tout à votre voix parlée. Mais Nassima, elle a raison parce que moi j'ai le même problème dans ma famille, on rit à l'envers, on aspire l'air. Est-ce que je peux rester 15 jours ici? Mais c'est un avantage ou un fardeau dans la vie de tous les jours, Nassima, ce rire? Moi, c'est plutôt un avantage. Ah, c'est oui, un avantage, bien sûr. De suite à l'émission, on m'a remercié parce que c'est vrai que ça fait du bien, même. Durant le confinement, les réunions Skype en télétravail. Et d'ailleurs, je vous préviens que Nassima, et j'espère que vous allez le faire, elle va lancer sa chaîne YouTube, elle aussi, pour faire du bien un peu aux gens qui nous regardent. Donc vraiment, allez-y, amusez-vous. Ce rire, on l'adore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire sortir. Ouais. Ok, d'accord. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va jouer tout de suite à « Qui fera rire Nassima ?» Alors venez, André, André d'abord. Mettez-vous en randonnion. Respectez les distanciations. En respectant bien sûr les distanciations, évidemment. Vous allez tour à tour essayer de faire rire. Restez là, André. Donc respectez un mètre d'écart, distanciation. Tour à tour, vous allez passer et vous allez essayer de faire rire Nassima. Il y a des vannes qui ont été préparées sur fiche, juste ici. Vous pouvez changer, en prendre une autre, en inventer une. Vous êtes libre. Tom, il n'a pas besoin de vanne. Hein. On va le regarder, c'est parti. Je crois que c'est des blagues de papa, comme on dit. Exactement. Ok, on commence avec André. Vous pouvez très bien, vas-y, vas-y. On allez, te suit. André, c'est parti. Moi, je... Bon, bah non, bah, si c'est André qui rigole demain... T'as compris le jeu, Dédé. À la fin, Nassima, c'est vous qui décidez qui vous a fait le plus rire, ok? D'accord. Nassima, que dit la fesse gauche à la fesse droite? Il n'a pas eu la chute encore. Hein. Regarde, attends, regarde. Vas-y, va. Je suis sûr que ça marche. Dis donc, ça pue dans le couloir. Pas mal. Franchement, le challenger a été bon. Hein. La fesse droite à la fesse gauche, j'ai qu'est-ce pas entendu qu'elle la chute. Dit la chute. Elle a dit donc que ça pue dans le couloir. Oh putain, non, mais t'as pas honte. Nassima, regardez-moi, restez focus. Je suis plus là. On va pas s'en sortir, ça va durer 1000 ans. Que dit Pinocchio quand il pète devant tout le monde? Je sais pas. Désolé, j'ai péto. Moi, j'ai elle rigole après. Oh non, mais c'est pas du jeu. Te casse pas, Nassima, on va arrêter les fiches, d'accord? Je vais te faire une petite danse. Voilà. Bravo. Super. Bon, merci beaucoup, Nassima. C'est à vous de décréter qui vous a fait le plus rire. Alors, est-ce que c'est le challenger André? Est-ce que c'est Tom ou Maxime? C'est André. C'est André, le roi du monde. Bravo. Et un énorme merci à Nassima d'être venue sur le plateau. Merci Nassima, on vous suit. Ta chaîne YouTube. Oui. Ok, super. On vous suit, vous ouvrez votre chaîne. Hein. Hâte de vous voir sur YouTube, Nassima. Ah ouais. Oui. Et hâte de vous revoir dans les salles de spectacle. Et j'aimerais te voir. Avec moi. Et dans le métro aussi. Partout, vous nous faites du bien. Merci beaucoup, Nassima.